tartare. Oh, un steak tartare? Oui. Fais attention de ne pas te faire des coups de crayon sur le minou. C'est là le crayon. D'accord? Et pourquoi le crayon? C'est pour noter les ingrédients. C'est bien. Voilà. Bonjour. Du coup, Aria est à la sieste? Oui. Nous, on fait à manger. On va faire des patates. Oh, des patates, des patates, des patates. Des potatoes qu'on va, qu'on va laver et qu'on va couper. Attention, tu te fais un petit trait là. Là. Ah là là, ça commence. Voilà, du coup, bébé est à la sieste, elle arrive à 7h ce matin. Moi j'ai eu mon call comme tous les matins. Et là je vais préparer le steak tartare tout de suite, comme ça c'est fait. Et il sera au frais, il va être encore meilleur. Et encore meilleur. Oui. Allez, on écrit tous les ingrédients là-dessus. Et je fais les petits dessins pour Cali, ça qu'elle sache comment on fait. Et puis, c'est parti. Puis c'est parti. Mon Kiki. Oui. Coucou. Bon, je me réveille, tout juste, il est 11h30. Je ne sais pas du tout ce que Doudou a filmé, mais Doudou a fait le repas de midi, il est en train de faire des potatoes. Et moi j'ai dormi, j'ai rien dormi cette nuit. J'ai pas réussi à me poser. Pour tous ceux qui étaient là sur Instagram hier, vous l'avez vu. J'ai pas réussi à me poser pendant ma pause, mais bon, c'est pas bien grave. Il fait super beau là, il fait chaud ou pas? Elle est au taquet. Elle est au taquet? Ouais, mais il fait 18h. Ah voilà, on prochaine. Non, il fait plus que ça, il fait bon. Il fait bon, non, il fait bon, il fait super beau. Moi, je suis rentrée du boulot à 6h30, il faisait complètement jour. J'ai conduit avec mes lunettes pour vous dire, donc voilà, tout va bien. Mais il fait jour de plus en plus tôt, donc c'est normal. Mais bref, bon, je vais m'attaquer aux potatoes parce qu'il est quand même il est 11h30, donc il faut les faire cuire et tout. Et voilà, vous allez aller voir les poules? Je baille encore, juste après une petite sieste, parce que sinon ce soir ça va être très compliqué. Je sais pas si c'est normal ça, mais... Il y a une mouche dessus, t'as vu? C'est pour ça. Non mais c'est pas drôle. Mais il a pas donné à boire. Donc, non mais tu mets pas un bébé dans un seau. Bah, elle avait soif. Ok, bon, allez, on va voir les poules. On va voir les cocottes. On va voir les cocottes. Tu crois qu'il y a des œufs? Oui. Ah bon? Il y en a combien? Il y en a 3. Bah non, compte là. Combien il y en a? Combien t'en as dans les mains d'œufs? 10. Non, doucement, doucement, doucement. Ça va pas? C'est fragile. Mais pas à la bouche, hein. Donc combien t'en as d'œufs? Il y a 3. Un. Un seul? Un 19? Bah oui. Et voilà la petite assiette, le petit steak tartare en forme de cœur, les petits potatoes, salade verte, un petit peu de tomate cerise et c'est parfait, bon app. Et on mange dehors. Qu'est-ce que t'as dans ton assiette? Des potatoes. Des potatoes. Et de la saucisse? De la saucisse. Oh, is? La saucisse. Lundi, j'ai fait les courses. Et je sais pas si vous avez déjà vu la pub de Benedicta pour la sauce à la truffe. J'en ai acheté aux courses. C'est une tuerie. C'est trop, trop bon. Le pot, il est à quoi? Je t'avais dit quoi? Moins de 3 euros? 2,80. Mais franchement, elle est trop, trop bonne. Bon, clairement, c'est une mayonnaise avec de la truffe. Hein. Mais elle est vraiment super bonne. Et là, avec les potatoes. Donc, c'est Benedicta qui fait ça. Voilà, si vous aimez la truffe, foncez, c'est trop bon. Bon, après 2 heures de sieste, nous sommes dehors à l'ombre, en train de goûter. Hein, mademoiselle? Oui. De la pastèque, yaourt, des petits BN, et voilà. Oui, mais j'en veux pas, mon cœur. Mange, mange, c'est pour toi. Maman, là, ça compote. Compote. T'en mets partout, des miettes? Elle a du chocolat de partout. Qu'est-ce que tu fais debout? J'écrase mon chocolat. Bon, on s'est mis en tenue avec Doudou. Let's go pour le sport. On va se prévoir des petites séances de sport. Là, il nous a mis, c'est quoi, les mils? C'est quoi? Body combat? Body combat.
J'en ai jamais fait. Lui, il en fait beaucoup à la salle de sport. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai fait cuire les carottes parce que ce soir, c'est frites de carottes avec du riz et de la dinde au paprika. Voilà, donc j'ai fait cuire les carottes. Enfin, elles sont en train de pré-cuire dans le cookéo. Et après, je les badigeonnerai d'huile d'olive, de miel et tout. Et je vous montrerai tout ça. Je vais tout vous expliquer. On va faire notre petite séance de sport. Ça dure 25 minutes, une demi-heure à peu près. Et je vous explique tout ça. Voilà, parce que il est 18 ans en fait et je bosse. Donc voilà. Mais avec Doudou, on s'est dit, on se prévoit une séance de sport. Alors on va alterner. On va faire et de la marche et du body combat. Et on va alterner. Ça va nous faire du bien. Et puis on bouge en famille. Donc c'est top. C'est top, c'est top. Attention, mets ses gants. C'est parti. On est parti. J'ai chaud. Fait chaud, hein? Je veux faire encore. Kali qui a dit je veux faire encore. Alors moi j'en peux plus, Doudou. Ça va, hein, continue encore 40 minutes. Ah bah vas-y, je te regarde. Oui, t'as chaud? Bah, il y a des enfants qui ont à manger. En fait, on s'est pris un peu tard aujourd'hui. Mais on a quand même fait 25 minutes là. Tu veux faire encore? Kali, elle est au taquet. Enfin, Kali, j'aime bien parce que tu nous as regardé faire au début, hein. Bon. Mais le body combat, moi, ça m'a tué. Et là, on a fait une petite séance de marche à la maison, là, mais j'ai chaud. Il fait super chaud en plus. Bref, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. On va aller prendre la douche. On va faire comme hier. On va se mettre toutes les trois dans la douche et on va faire ça. Je vais juste m'occuper de mes carottes avant. Comme ça, elles ont bien le temps de cuire parce qu'il est hiver là. Alors, les carottes, je les ai fait cuire au cookéo. Je suis désolée pour la tête, je transpire, hein, mais bon, désolée. Hein. Les carottes, donc je les ai fait cuire au cookéo. Hop, elles sont là. Hop, elles sont encore un peu fermes, mais elles sont déjà bien cuites, donc c'est top. Je vais les mettre dans un saladier. Dans le saladier, je vais venir mettre de l'huile d'olive. C'est chaud. De l'huile d'olive, du miel et vous pouvez mettre sel, ail, voilà tout ce que vous voulez. Moi je rajoute pas ça, huile d'olive, miel et je mets un petit peu de sel après dans mon assiette pour pas saler pour les filles. Voilà, donc au niveau de la quantité, bah, c'est selon ce que vous voulez. Je peux pas trop vous dire des quantités, moi je fais toujours à l'œil, hein, vous le savez. Donc voilà, j'en peux plus, j'ai super chaud, c'est l'horreur. Comment vous dire que j'ai mis les carottes et qu'elles ont trop cuites. Voilà. C'est un gros fail. Alors, il y en a qui sont mangeables. Mais alors, il y en a, je vais les trier. Je suis dégoûtée. Je pense que j'avais mis le four trop fort et avec le miel et tout, c'est mort. Je vais les trier, les bien carbonisés. Carbonisés, bah, clairement, je vais pas mettre ça. C'est un petit peu la course, et ben voilà. J'aime pas quand c'est trop la course comme ça. Je fais que des conneries, ça m'énerve. Bon, écoutez, j'ai réussi à sauver pour nos filles. Voilà. En tout cas, Aria, elle adore ça. Hein, voilà, mais je suis dégoûtée, franchement. En fait, je les ai mis tout doucement. Je suis redescendue, j'ai monté un petit peu les degrés du four en me disant c'est bon, on est en haut, on va pas trop descendre. Et en fait, on a traîné. Et voilà, bon, c'est de ma faute, hein, je peux m'en prendre qu'à moi. Voilà, c'est pas bien grave. Bon, toi, ça te fait rire. Ah ouais. Par contre, c'est bizarre. Bref, donc, je sais pas ce que. Qu'est-ce que t'as demandé à papa? Il y a du soleil. Il y a du soleil? Bah oui, il y a du soleil. Il y avait une pâle de l'hélice qui reflétait le soleil dans les yeux de Kali. Ah. On a un truc qui tourne dehors avec le soleil. En fait, ça reflétait le soleil dans le visage de Kali, donc ça l'a gêné. Bah, il y a un barbecue, non? J'espère que c'est un barbecue parce que je vois la fumée et... Un gros barbecue. Oui, c'est un gros barbecue. Ou un gros chantier, ou un gros camion qui est passé sur du sable. Non, c'est un barbecue, il n'y a pas de sable là. Bref, bon allez, on va passer à table. J'ai fait cuire la dinde là au paprika. J'ai fait tous les morceaux. Si besoin, on les fera réchauffer, on les mangera froid ou quoi, c'est pas un souci. J'ai fait cuire du riz, voilà. Je vais te redonner des carottes. Ariel a adoré les carottes, donc je vais lui ordonner. C'est pas grave, nous on n'en aura pas, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Voilà, et la prochaine fois, bah, je me ferai pas avoir.
En fait, je pense que le combo miel et huile d'olive, quand ça cuit au four, faut se méfier. Voilà, et je me suis pas méfiée. Erreur de débutante. Bon, ça y est, je suis partie. Let's go au boulot. Il est moins 5. Dernière nuit après week-end de 3 jours. Ça, c'est trop cool. En plus, Doudou est en week-end de 3 jours, donc c'est encore plus cool. Les filles sont au taquet. On a très bien mangé, malgré les carottes carbonisées. Hein. Celles qui n'étaient pas carbonisées étaient très bonnes. Voilà, donc la prochaine fois, j'essaierai de faire attention. Quoi. Mais là, je sais pas, on était occupés en haut à regarder un truc et voilà, on s'est fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir comme une bleue. Mais bon, c'est pas bien grave. Bah allez, on est parti. Chérie, Cali, ouais. Tes pantoufles sont à l'envers, mon cœur. Comme d'hab. Tu les remets à l'endroit ? Bref, petit vlog qui n'a pas duré très très longtemps, mais bon, comme je me suis levée assez tard, vous aurez un vlog un petit peu plus long demain. Hein ? Voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à demain. Au revoir. Au revoir. Tu dis au revoir ? Au revoir. Tu dis au revoir ? Oui, c'est comme ça, Cali. Au revoir. Tu dis au revoir ? Elle me fait au revoir sur le doigt en fait. Bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, il n'y a plus personne. Allez, à demain. Ça va dormir.